Et salut à tous, c'est moi. Aujourd'hui, la musique est trop forte, je sais. J'ai fait exprès en fait, mais est-ce qu'on peut baisser le son au moins? Ah, on peut enlever. Non, on va le laisser, je pense. Du coup, aujourd'hui, on va jouer à A Feel Rush 11. Alors, vous allez voir, ça va être très bien en fait. Ça va être un jeu de pas d'attraction et de trucs. Je crois que j'y jouais vraiment à l'époque. Enfin, voilà. Vraiment, le son est fort. Oh, la musique, elle est forte. Mais vraiment, dites-vous que de base, pour moi, la musique. Ben genre vraiment là je voulais enlever game pause, non voilà je vais continuer. Là vraiment dites-vous que pour moi c'est encore plus fort que ce que vous entendez. Comment je fais du coup, je vais faire quoi? Là en gros j'avance vers la droite. Et si j'ai pas n'importe quoi après je peux tourner en hauteur et tout. Je sais plus comment j'avance mais comme ça hein, peut-être. En fait je sais pas sur quelle flèche appuyer. Je crois que j'appuie sur la bonne flèche là parce que j'avance quand même assez vite. Je vais quand même utiliser la nitro là, regarde on a un petit truc de nitro. Voilà, c'est tout. Bah, c'était quand même facile. Je vais remettre le son un peu plus fort, mais c'est pas drôle. Voilà, une musique comme ça là. Voilà, du coup, le but ça va être de terminer un peu tous les trucs. On va choisir un garçon musclé quand même. Parce que nous ici on est super musclé. Est-ce qu'on peut faire des sauts au moins? Voilà, genre là il en peut faire un 360. Hop là! Ah, c'est chaud! Oh, j'ai réussi! Oh, c'est chaud, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Hop, ok, on va très vite, ok, nitro, paf, voilà, sympa, et hop là, pour ensuite, en fait, comme ça, je vais encore faire ça tout avant, parce que c'est pas drôle, je pense, voilà, et là, hop là, en fait, je sais pas ce qu'il y a, du coup, je sais pas, oh, il est un peu grand le bateau, là, genre sur un bateau, j'ai l'impression, avec des imperfections, je sais pas ce qui se passe, hein, honnêtement, je sais pas, du coup, c'est pour ça que je vais un peu vous baisser le son pour vous, parce que je sais que pour moi, le son est trop fort, et j'ai pas envie que vous souffrez un peu comme moi, en fait. Je me suis dit, vous, je vais un peu vous laisser vous amuser avec le son qui n'est pas trop fort. Voilà, j'ai fini. Et bah, j'espère que vous avez bien apprécié parce qu'on va quand même en faire une autre. Et on va quand même essayer. Bon, on a encore fait 3 étoiles, yes. Et les prochains, faut qu'on fasse 3 étoiles. Si on fait pas 3 étoiles, on a perdu. On va prendre la fille cette fois-ci. Parce que peut-être que les femmes sont meilleures que les hommes dans les montagnes russes. Moi, je pense qu'en vrai, je sais pas. J'ai réussi à faire des débats nuls. Je sais pas, moi, non, bah non. La fille, qu'elle est, je pense que ça change rien que ce soit une fille ou un garçon pour faire des montagnes russes. Bah oui. Je sais même pas si c'est des montagnes russes en plus, c'est genre un parc d'attraction de l'eau quoi. Et on va faire un double front flip. Je vais mourir, c'est bon, j'en suis en vie. Et voilà, je suis meilleur que vous tous. Et là, hop, nitro encore, c'est possible. Voilà, paf. Ok. Hop, je vais vraiment aller très très vite pour pouvoir finir le truc, quand même ce serait bête. Ok, là c'est bon. Là c'est bon, voilà, nitro quand même. Hop là. Oh, j'ai un checkpoint. Ah, c'est ça qu'on peut mourir du coup. Bah oui, parce que du coup, j'ai eu un checkpoint. Très sympa. En vrai, je sais que j'ai joué à l'époque au jeu. Hein. Pas au numéro 11, mais genre au numéro 2 ou 3. Là, c'est le Fly Rush machin 11. Moi, je jouais au 2 ou au 3. À la limite, au 4 peut-être un peu, ouais. Peut-être un peu au numéro 4. Voilà, et bah ben voilà, j'ai gagné. N'hésitez pas à vous abonner parce que sinon, je vous abonne.